peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chiluizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la vie actualité. La voix du peuple, maman n'a pas yé. Oh, yango yo, yé. La voix du peuple. Vincent Chiluizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple. Actualité, la vie actualité. La voix du peuple. Maman n'a pas yé. Oh, yango yo, yé. La voix du peuple. Avec Vincent Chiluizi. Vincent Chiluizi. Et ça, la reine de la presse. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple. Tout ce temps oyo asalaka na presque na kolobata je sais pas si na ça sur la bonne mémoire tanyo so oyo asalaka na kata ndako ngai ni mutu na bali ko prendre soin di na sima na ngo ko zo soin na ko zo soin na ye to ye ko linga mais asaki na perte ya conscience abana ko yeba makam. Bolingo na yi comme qui copena tellement zali qui na bolingo heba qui kofana na ngai asungi saki ngai a plus a ngai sens ya vie abana yi kopena yi nomba ko mama bana ngai na bité fola ti de ko loko ayi yi loko mi manga na kisasa ya ngona na loka isika ko sala musala na zo isika ko sala musala ti ne ko zo musala. Mais tant que nous sommes comprenons, tant que nous sommes en train de nous faire des choses, nous sommes en train de nous faire des choses. Nous sommes en train de nous faire des choses. Nous sommes en train de nous faire des choses. Nous sommes en train de nous faire des choses. Chaque fois que je suis là, je suis là. Je suis là.
Merci. Vous voyez qui a poussé? C'est l'enfant bâtard. Comment? C'est ça? Tu veux que la carte soit la maison tous années l'enfant bâtard? Et qu'on a la moitié de la boutique en bas de nous, c'est ça? Mais moi, tu me pousses à faire le mal, pourquoi? Ce n'est pas le mal, il ne faut pas appeler ça le mal. Au moment même, tu as été un état où tu n'as pas fait ça dans la volonté. Oui! C'est pas une chose. Oui. Pourquoi tu dois porter? Tu dois porter, même. Je t'ai dit, tu dois porter. Si réellement toi tu m'aimes, si réellement tu ne connais pas ce messie-là, si réellement ce messie-là, il a profité au moment où tu es conscient pour garder les émotions. Moi, je ne parle pas de ce messie-là, mais je parle de mon enfant. Je dis qu'il n'a pas porté. Ah bon, t'as mis? À sa beauté. Non, tu ne faut pas me pousser à faire le mal. Je t'en prie, s'il te plaît. Omar, quand ma mémie, passe, maladie, nyoso ezanga, douleur, quand mon yoka, faiblesse, ngai. Écoute d'abord. Déguisement ezanga le lom nangai. Ok? Moi, c'est nanga. Mais en train de déguiser. Omar, mais expliquez en réalité comment je vais te supporter. N'a pas été. Omar. N'a que ça salango volontairement dit. Et comme il est naïf, pour me soutenir, pour avoir un mal malheureux, un mal malheureux, un état, un mal vraiment. Pourquoi vous avez besoin de vous? Pourquoi? Hein? Pourquoi vous avez besoin de vous? Mais tu as besoin de vous inconscience? Dis-moi, tu as besoin de vous inconscience? L'eau de côté de l'inconscience, donc tu as besoin de l'inconscience. C'est ce que tu veux. Parce que non, c'est que tu as conscience, tu refuses. Au lieu de t'y rendre attaché. Non, non, d'accord.
forcer la tête pour insister parce que j'en sais rien. Il faut bien réfléchir. Tu dois bien réfléchir. Je t'ai dit. Il faut très bien réfléchir, bébé. Je suis bien, ça va. Oui.
Chaque fois que je suis en train de me faire, je suis en train de me faire. 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 Je suis en train de me Alobi amoui pa moi si na yeki yoko mi témoin jena. Il faut koufa pour makamoni no ceci là. So que osaka kan vi, oko bébé sa makamou ya vi na enyoso. Donc il est pas tiré une bibi na kati na ngai. Tous les jours. Afin d'avoir awat. Ayaki yo. Afin d'avoir awat. Atout obse. Afin d'avoir awat. Afin d'avoir awa, oui. Wana nan. Quand afin d'avoir awa. Je lui parlais de ma mère. Donc il se souvenait de moi aussi, il y a un qui. Réaction, c'est qui? Non, mais. Je comprends maintenant. Je comprends. Donc c'est un dossier monté de toutes pièces. Ah, c'est comme ça, il y a beaucoup de bâtons. C'est monté de toutes pièces. Il est en train de me mettre le bâton dans le roux. Souci na ye, pour ça na ye zalite ki. Eza makaba wa mbongo ye mbongite. Eza li ke yone okomi loko la cible principale na makamo nyozo. Tant yo posta la kaka na pomo ye. Si ma ma chance avait raison. Ah donc, attends ma chance na ye. Oui, moi so loko ta maman. Oui, je me rappelle. Yo, yo, er mama zongi, a zongi chasa aye. Fiancé Naïe, c'était le monsieur au mari. Tu vois? Oui, c'était le monsieur au mari, c'était ce monsieur-là. Donc, Nazosa n'a pas eu de moutaboma, moi aussi n'a pas eu. Exactement. Ah! Exactement. Tu vois? Maintenant, maman, selon ce que maman chance m'a dit, maman va te voir pour t'aider. Maman, et puis maman a dit, ok, c'est bon, le coin dans la zémi, il y a mon trône à Zokima et à 5 accidents, je ne peux pas avoir. Bana, tata na tata. Et c'est suite à cette décision-là que M. Omari a souhaité qu'on prenne ma maman. Je comprends tout maintenant. Le Omari Moutaboma a pris. Donc en fait, Alinga qui a pour ma maman, oui. Intention est à qui a pour ma maman. En jetant maman quelque part, maman n'est pas morte. Et c'est maman chance qui est venue à récupérer maman étant on est grossé jusqu'à ce que moi je sois né. Donc il a tout compris pendant qu'il était là, il était en train de me questionner comme un bourrique. Je comprends. Ma
Et si toi tu es mon père, famille en misère, Rabi. Ma mère doit avoir une famille. Nenazali awa et l'autre mutunazako mutunaluka vina nga mobi mesa mona kwasiyo. Moi j'ai toujours cherché. Si moi j'ai fait les études de droit, parce que j'ai toujours souhaité venger ma mère. Même si aujourd'hui je pense que justice doit être faite. La justice doit être faite. Mais je pense que c'est aussi une forme de vengeance. Donc toi tu es mon père. On cherche à m'éliminer moi. Oui. Moi. Yo. Le père de Panich. Omar. Et maman Léa. Commandant. Excellence. Bonjour. Bonjour, conseiller juridique. Ça va? Bonjour, monsieur. On s'assoit. Quel est ton problème? Bon, excusez-moi, patron, de venir sans vous prévenir. Excusez-moi, déjà, patron, de passer sans vous prévenir. Mais j'étais dans l'obligation, étant donné que je trouve très délicat. Vous savez, j'ai été limogé comme ça. Je sais, j'ai les dossiers. Sans aucune raison fondamentale. Non, tu as falsifié les dossiers de l'entreprise. J'ai tous les dossiers à la cour. Donc, je ne sais pas quel est le module qui vous a poussé de venir me voir. Merci patron. À côté de moi, c'est monsieur Blaise. Qui est-il? Monsieur Blaise, exactement, c'est la sentinelle de monsieur Omari. Avec lui, je pense prouver mon innocence. Ça veut dire? Une sentinelle chez moi pour prouver l'innocence dans mon entreprise? Je ne sais pas. Et quel rapport y a-t-il? Patron, je crois que c'était loin d'être une affaire de falsification des dossiers. Tous ces projets machiavéliques montés de toutes pièces par M. Omari et donc prouvés noir sur blanc avec le voice, l'enregistrement, les audios qu'a M. Blaise. Patron, Monsieur Omar et sa femme ont tué ma mère. Ta mère? Ma mère, ta fille. Tu as vu une fille au nom de belle-fille. J'aimerais bien te dire ce que tu es. Si cette femme décédée est ma mère, c'est que toi tu es mon grand-père et t'as donné que cette femme est ta fille. Laisse-moi te rafraîchir ma mémoire. À son temps, ta fille belle-fille a disparu. Vous avez beau chercher. Vous avez beau chercher. Mais sans succès. Un jour, elle vous revient. Elle vous revient, pas seule, elle était grosse. Grosse par de la personne avec qui elle partageait sa vie ici, parce que vous
vous allez vous souvenir qu'elle avait un fiancé. Et ce fiancé-là n'est rien d'autre que monsieur Omar, votre partenaire. Monsieur Omar étant très déçu, elle lui revient de son périple, ou je ne sais pas moi quoi, c'est lui. Elle revient étant grosse. La jalousie a gagné sur ses émotions. C'est donc lui qui a tabassé cette femme jusqu'à la rendre paralysée, la lier, la passer dans une sorte de sachet, la jeter. Et c'est miraculeusement que cette femme, votre fille, n'est pas morte jusqu'à donner un enfant que je suis. Mais qui était l'auteur de cette grossesse? Monsieur Blaise vient à Kinshasa pour chercher sa femme. C'est depuis lors qu'il est à Kinshasa, en quête de sa femme. Et pour vivre, il doit travailler. Et c'est comme ça que Monsieur Omar l'engagea chez lui comme sentinelle. C'est ça l'ironie de la vie dans tout ça. Je n'aimerais pas moi éplucher et finir étancher ses soifs. Je vous laisse pas trop écouter la version de Monsieur Blaise. Après que j'ai moi livré mon histoire de manière inadvertie, enfin je dirais ça comme ça, d'une manière très imprudente à Monsieur Omar. Il est venu chez moi chercher un dossier. Et c'est comme ça qu'il a vu la photo de ma mère Bellevue. Lui connaît ma mère. Moi, je ne connais pas ou je ne connaissais pas la relation qu'il est lié avec ma mère, ou qu'il a lié avec ma mère. C'est donc comme ça qu'il m'a cherché. C'est donc comme ça qu'il m'a placé le bâton dans le roue. C'est donc comme ça qu'il a monté ses dossiers, monté de toutes pièces pour me foutre dehors, jusqu'au point de chercher à me tuer, à me ôter la vie, parce qu'il y a moins un comportement naïf. Et c'est comme ça que M. Omar a monté de toutes pièces cette histoire pour chercher à étouffer la vérité jusqu'au point d'orchestrer à me ôter la vie. Et toute cette histoire s'est résumée dans le voice que possède Monsieur mon père, ici devant moi, Blaise. Je suis devant vous, mon grand-père. Je suis devant, oui, mon père. Non, pas si bien, non, de mon amour. Autant la lilo, ma cambole. Là, il y a qui pour ça, la moussala. Mais chaque fois, on a dit, si on a joué ça, la moussala, on a qu'à s'en aller. C'est comme si il n'y a pas de temps pour m'attendre à la à la Costa Rica. Mais il n'y a pas de temps pour m'attendre à la maquille de la Costa Rica. Parce que ça va être complot, pour moi, je suis là pour la Costa Rica. Parce que moi, si le patron n'a pas mal, parce que la Costa Rica est la Moi, si je suis un homme, je suis un homme qui est 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 un homme
Je suis en photo de la Katia Nabu. Il y a Da Costa. Da Costa a dit que la photo Oyo est la maman. Quand tu as la maman, tu as compris que tu as la base. Il y a Liwa, il y a Belvi, il y a le patron de la vie. Via la cause des anges. Mouta Boma, moi nanayo, Aza Pemeni nayo. Mouta Luka Maler nayo, Aza la canaille si kamo. Aza Mouta Boma. Oui, entrez. Moi je te pose des questions sur le téléphone. Allô? Ah oui. Ok. Non, bah n'ayez pas bimam, mais n'arrêtez ni un patron. Pas sous celle-là. Oui, beaucoup t'as bino. Beaucoup t'as. Azali, oui, beaucoup. Ok, merci. C'est mon fils. Pardon? Est-ce que je dois m'asseoir? Assieds-toi. Quoi? C'est qui? Moi, je suis là. Depuis quand? C'est mon fils. Moi, je suis là. Tu t'étonnes ou tu as compris l'histoire, ce que tu as fait? Ozoka moi, tu connais ces garçons bien sûr. Il fut notre conseiller juridique. Tu l'as renvoyé pourquoi? Parce que tu as vu la photo dans sa maison et tu lui as demandé l'origine de cette photo. Tu as demandé l'origine de cette photo-là. C'est pourquoi tu lui as chassé. Non, c'est mon mari.
Tu avais toute ma confiance. Toute ma confiance. Je voulais même te donner ma fille. Et en retour, tu l'as assassinée. J'étais dans les ordures. Tu as caché la nouvelle. À l'annonce de cette nouvelle, tu m'as laissé comme ça. Tu as assassiné mon épouse et ma fille. L'unique fille que j'avais dans la vie. Or, Dieu s'est arrangé les choses. Tu as connu ce garçon? Il fut notre bon conseiller juridique. Mais tu l'as renvoyé comme ça. Commandant. Excellence. Mon père. Papy, reviens s'il te plaît. Monsieur l'agent, tu vas obéir à mes ordres. Ici, c'est moi qui suis. Arrestation arbitraire, yo ebi amote. Maître Lobaka, comment comprendre nga biloko nini? Je vais t'apprendre parce que je suis dans mon métier. Apana maître Lobaka, voilà ngonga. D'accord. Maman Léa. Maman, pourquoi ensemble vous vous êtes mis d'accord? Yakuza ba assassin en série. Pourquoi vous vous êtes décidé d'être les assassins en Syrie? Maman, nous avons les audios, nous avons vos voix. On vous a enregistré. Maman, c'est parce que vous avez compris qui j'étais. Et que c'était moi le fils, il y a madame Bellevue, que vous vous êtes mis ensemble pour la Nenga. Mais vous avez oublié que Dieu sait faire son scénario, sa mise en scène. Il a placé dans cette maison depuis longtemps mon père. Ce monsieur est arrivé ici à la recherche de sa femme. Cette femme-là que ce monsieur cherche depuis des années, Moba Ninayo, ce monsieur. Papa Omari. Papa, tu as su ligoter cette fille. Tu l'as ligoté au commissaire carton, au commissaire colis, au bois cahier, je ne sais pas moi. Où son corps, je ne sais pas moi, dans les oubliettes. Étant paralysé, tu l'as frappé jusqu'à la causer cette paralysie-là. Mais attendez, est-ce que tu savais que Dieu mettra tout autour de toi des témoins, tout autour de toi de preuves tangibles, tout autour de toi de pièces à conviction? Est-ce que tu le savais? Dieu pouvait mettre de pièces à conviction. Est-ce que tu savais ça? Mais il faut reprendre ta conscience. Est-ce que mon amour Suwana, en réalité, elle était méchante? Pour avoir respecté une principe, il y a binaye, na obo tana mi bali mi balete. Est-ce qu'elle était méchante, cette femme-là? Elle était méchante, papa, au mari. Qu'est-ce qui vous prend? Mon Dieu! Mais moi, mon bali, na moi, si naïe, basala, na complicité à Kobo Mayo. Na yo, ka ba on ma kamou, ba complicité, ba mon Dieu! Quel couple êtes-vous? Quel couple êtes-vous? Des crimes en crimes? Quel est mananou? Quel est mananou? Maman Léa, après tout ce que vous avez fait pour moi, de frais académiques, tout ce que vous avez fait pour moi, je pouvais moi me substituer. Je pouvais moi d'ailleurs me mettre à la place de votre avocat. Mais ce qui me retient, c'est quoi? Dans cette histoire, je ne suis pas le seul.
il y a ce monsieur aya kunga moi si naie depuis kala yé yé oh yo bomé là yé. En fait cette femme là si c'est monsieur moi si naie kunga yé aya qui tient sa femme comme moi si naie. Il y a votre patron qui n'est rien d'autre que le parent de cette fille que toi tu as tuée l'autre fois. Est-ce que vous voyez qu'un crime n'a eu impuni pour vous débarrasser ma classe? Est-ce que. D'ailleurs, lorsque tu as su que j'étais moi, l'enfant à Belleville, tu as voulu m'assassiner. Oui. Donc tout au fond de toi, tu n'as pas un bon cœur. Alors à ce point. Que la justice fasse son travail. Que Palmiche m'excuse. Que les oncles m'excusent. Mais si ensemble, en lieu et place d'être un couple, ces couples qui transmet de valeurs, ces couples exemplaires, vous vous êtes mis ensemble étant association de malfaiteurs, je suis désolé. Bon, ok, maître. Et Okani, dis assez. Bon, maman Batou. Lundi, mardi, vous pouvez vous dire. Vous avez vu ce qu'il y a de vous pour mieux. Vous avez vu ce qu'il y a de vous pour mieux. Ah, c'est bien, Bambele. Toquez dans nous. Papa, maman, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris, ligoter cette fille-là? Qu'est-ce qui t'a pris? Oh, c'est pas possible. Non, mais. C'est bien de pouvoir bénéficier de votre expérience. Moi, je trouve ça très, très bien. Oui, moi, je n'ai pas fait les études de droit. Je ne suis pas si mis en économie. Je ne crois pas pouvoir bien gérer Lacoste. L'entreprise Lacoste. Mon père. Je n'ai que toi actuellement. La mort de ta maman a causé la mort de ma très chère épouse. Je la regrette jusqu'aujourd'hui. Et je veux bien. Mes jours sont comptés. L'obitosima, l'obit n'a pas été. On ne sait jamais. Tout cet héritage, c'est toi le bénéficiaire. J'aimais ma fille. Je voulais son bonheur. Je voulais son bien-être. Et malheureusement, la vie en a décidé autre. Mais je ne perds pas l'espoir parce qu'il y a toi. Ah, oh, voilà moi, regarde-moi ces riches laboureurs sans tasse à mon prochain. Mais bien sûr. Tu sais, grand-père, moi je suis un miraculeux. Monipo Yebanga, au découvrir Ngaï, il aurait fallu que Dieu fasse un grand miracle. Dieu sait préparer les circonstances en son temps. En son temps. Dieu a préparé quelque chose. Dans la Bible, parce que tout ce que j'ai vécu sur cette terre m'a appris beaucoup de choses. Je me suis confié à Dieu. Dans la Bible, il est le maître des temps et des circonstances. Plus loin encore, les réparateurs de brèches. Ma brèche, mon cœur a été blessé, mais Dieu l'a réparé partout. Alors moi, tu es mon seul bonheur. Je voudrais faire un grand dîme à ces dieux-là. Je garderai ma place de la sentinelle. Ça veut dire que je veillerai pour que 90% de revenus de l'entreprise soient déversés, je ne sais pas moi, dans les orphelinats, des hommes de vieillard. C'est une manière de rendre gloire à Dieu. Moi, je reste le conseiller juridique. Je gagne déjà bien ma vie comme ça. Mais il y a des enfants quelque part sur cette terre. Il y a des familles quelque part sur cette terre, mon père. N'ont pas reçu la chance que moi j'ai. Vous savez, grand-père, moi je viens de ce monde-là. En français, on dit la fin. En lingala, les autres diront voilà. Mais dans la rue. Commandant! Commandant! Excellence! Yakamo. Boire n'a pas possible de l'eau pour y être. Vous allez dire que maman a l'oubli à 6 ans, mais ça va. Non, va servir dans le bois. Parce que dans ce pays-là, c'est ce qui est là.
facilement, il y a un attaqué mon commandant. Veillez à ce que je vais essayer de vous donner. Hein? Rapidement. Ok, ça va. Je suis à toi. Ouais. Je disais donc, na balabala, babinga ngumu tato, babinga ngumia. Grand-père, moi je ne savais pas qu'aujourd'hui ça pouvait tomber sur moi comme ça une avalanche de richesses. Je ne savais pas qu'aujourd'hui je pouvais avoir aussi de l'oseille comme ça. Je ne savais pas que moi qui te parle, je t'étais héritier de cette entreprise aussi réputée comme la nôtre. Permettez à ce que ma revenu et entreprise te déverse à mon œuvre à charité. Grand-père, il y a de génies dans la rue. Il y a des intelligents, il y a des enfants qui crèvent de faim. Tu es là-dessus. Tu as emmené les patrons. Décide. Ah, comme tu veux. Ah. Oh, mon grand-père. Tu es mon bonheur. Oh. Tu fais toute ma joie. Tu es gentil. Tu ne me fais plus penser à Belleville. Ni à ma tendre épouse, parce que tu es là. Grand-père, je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux pour que ces enfants bénéficient réellement, correctement. Demande-moi si on peut créer un orphelinat. C'est possible. Oui, tu en as le moyen. Fais-le. Je t'en je serai à tes côtés pour te donner des conseils. Merci. Et t'aider à devenir très grand plus que moi. Tu sais quoi? Tu es un grand champion. Quelle fatigue. Ce que j'ai aimé, c'est cette photo qu'on a pu prendre dans Pierre Tombal. Oh maman, maintenant tu peux te reposer en paix parce que les auteurs ou l'auteur de ces crimes a été démasqué et mis en état de nuire. Maman, aujourd'hui on vient de placer cette pierre tombale. Où on a essayé un peu de reconstituer ton histoire, ton brillant parcours sur Terre. Personnellement, moi, je ne t'ai pas connu. Mais il y a une dame avec qui tu as parlé, tu as passé de bons moments et qui a pris soin d'éduquer ton trésor, le trésor que tu l'as laissé. Elle était là, c'est ma chance. Aujourd'hui, il y a un homme qui a consacré toute sa jeunesse à te chercher, à te chercher sans relâche, dans l'espoir de te retrouver, jusqu'à ce qu'il le fasse. Monsieur Blaise. Enfin, aujourd'hui, il y a eu ton père. Il a prononcé ses discours, mais j'ai retenu cette phrase où il a dit « À jamais, tu restes sa vie chérie. Maman, tu sais, je t'aime sans t'avoir vu. S'il y a des moments où je me souviens, c'est quand je t'en prends fétiche. Alors, oui, c'est par là que commence la vie. Enfin, on aimerait bien ensemble te dire que nous t'aimons jusque-là. Qu'on te porte dans notre cœur. À jamais, tu seras une sœur pour ma chance. Une femme comme tu l'as été pour mon père Blaise. Une fille bien-aimée de ses parents pour Monsieur Serge. Et pour moi, à tout jamais, tu resteras.
Parcours à Vinanga, et on a mal à l'époque. Malheureusement, on a mal à l'époque. Et si on a monté ma mise à l'époque, c'est ma route dans l'analyse. Pour l'emplacer, de l'autre côté. Pour l'emplacer, de l'autre côté, nous avons mis un soupir et bébé pour la main. Dans mon lit, je suis ici comme un bébé. Pourquoi? Dans la zone de mon cas. Parce que Aïza, ici, car. Parce que le souvenir, on a l'amour par exemple. Non, vous devez être là. Non, vous devez être là. Ils sont pas moins là, papa. Ils sont pas là. Vous avez bien dit pour la famille. Comment vous avez surtout dans la famille, ah ouais. Les gens ont besoin de mais chaque fois, d'un coup, on va essayer de je reste sans support. Tu vois, c'est pas pareil quand on connaît pas ses parents, on se dit je me débrouille. Mais quand vous retrouvez vos racines après, pour vivre au psychiatre. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes conseils, j'ai besoin de ta manière de voir. Le papa Toboy, tu me vas descendre dans le bois. On va descendre dans le bois dans le Kenya. Tu fais ça dans le bois, tu parles dans le tamouamouté. Non, personne ne va rentrer au village. Qu'est-ce que vous avez? Vous tous nous doutez. Qu'est-ce que vous avez à voir au village? Qu'est-ce qui vous amène au village? Il y a la civilisation ici. Il y a des gens qui essaient de voir la vie autrement ici. On vient de placer la pierre tombale pour maman. Je crois que c'est chaque le 1er août où ensemble on doit aller toujours la rendre visite. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là, à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition, un night club pour les amoureux de l'ambiance responsable, un service traiteur de renom, et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Pour tout contact, appelez au plus 243 82 094 89 17 plus 243 900 82 70 58. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans laboratoire CRMTA. Où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout tient à disposition d'un nombre de cosmétiques. Tout en industrie cosmétique enrichie au collagène. Ils ont traité bah, tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poches, ils ont traité imperfections mingi à peau. Pour ça, ils ont un sérum sous forme de masque.
tous les bits si crème réparateur, ils ont réparé pour ce point là-bas. On a un problème avec acné, ma bouton, ma palata, et puis qu'on sait l'enveloppe d'un sérum naïe où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous les bits si gel douche. Tout en grand format, na petit format, et ça a mis à paille paille, ils ont adouci un peu. Tout en a des cheveux, oyo, ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki, ils ont katana pamba pamba, souki, ils ont la teinte, ils ont bon lissango, ils ont retardé, repoussé à cheveux blancs, pour ça, ils ont huile, ils ont bain d'huile. Tout en a crème, pommade, tout en a savon, savon, ils ont accompagné gamme, il y a ma cosmétique, nyonso. Tous les médicaments, dans le laboratoire CRMTA, tous la pommade Diazolex, les pommades anti-douleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, la colocovimba, ils ont traité en haut. Tous la crème Borex, ils ont uniquement pour la papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tous la Diazostimule, oui, ils ont produit la bise, ils ont traité ma différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, ma dysfonctionnement érectile, ma faiblesse sexuelle en général, et pas basse, ils ont traité fragilité, ils ont sous forme à comprimé. Tout ça, la zinginalis, ont présenté sous deux formes, comprimé, à sucer, non suppositoire, où ils ont traité ma différentes formes d'hémorroïdes, internes, non externes. Tout ça, la méamicine, où ils ont traité ma levure. Tout ce qui est amibe, tout ce qui est ma maladie, ma kyste, il y a amibe, ils ont traité en haut sous forme de comprimé dans un sirop. Tout ça, la crème méamicine, ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Bah, genre d'être malade à PC, mycose, et cela, quand on a ma couleur, il y a mibali, surtout, ils ont la sapatou, maladie, loto, méamicine, crème, ils ont traité en haut. Tout ça, la allium. Allium, il y a traité toute forme, il y a hypertension, il y a normalisé tension, ce qui est tension et qui a normalisé, ce qui est traumatisé, a normalisé, et ça a souffert à partir d'ailleurs. Tout ça, la menga, il y a produit anti-anémique, il y a un problème d'anémie, quelle que soit l'origine, il y a remonté, il y a tonifié un peu, il y a un énergie dans l'autre. Voilà, il y a une gamme de produits CRMTA, laboratoire où il y a travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au monde de Bosonabino et ça a mis à partir de la nécessité de bon arrivé au Congo. À part la question, on a aussi le temps de la bino, tous les malades qui sont auto-traités, auto-salatobés, dans la préparation personnalisée. Dans le cas de myome, par exemple, tu as une préparation mon corps pour et permettre de réduire la dimension à myome pour et faciliter le robot. Tu as une kisse qui peut se rappeler, tu as un robot, voilà, tu traiteras en couple. Et le contact Nabiso, na Kinshasa, il y a plus 243-81-83-13-322, plus 243-81-83-13-322. Plus 243-89-89-33-855 et dans Libanda, tous en a plus 1-514-329-12-56 plus 1-438-765-64-73. Voilà les numéros à contact Nabiso, Badiro, Babenga Libanda, Naka, maladie, Songolo Pakala, maladie ou Abatène tondante ou Esra qui est bon, abima. Baba fina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini ou rose solution à problème na yo.